Les sapeurs-pompiers sont arrivés à pied. On est parti les appeler. Ils sont arrivés à pied pour regarder les dégâts. Impuissants et sans assistance face au feu du dimanche, aujourd'hui, c'est le regard vide, les yeux hagards, qu'ils sont errants sur les décombres de leur hangar en plein cœur du marché international de Dotonkwa. Durer le feu ayant embrasé 12 000 mètres carrés et 180 000 de superficie du plus grand marché à ciel ouvert de l'Afrique de l'Ouest aux grandes dames des commerçants et commerçantes. Le dégât est immense, très immense, que vraiment on n'arrive même pas à le dire. Au juste, qu'est-ce qui s'est passé? Nous avons des sapeurs-pompiers dans le marché qui sont pour nous. Et à des moments opportuns, il doit intervenir, ça c'est forcé, c'est leur devoir. Mais nous, à notre grande surprise, quand on est arrivé, on dit qu'ils sont partis voir les sapeurs-pompiers et les sapeurs-pompiers disent qu'ils n'ont pas les moyens. On est dans quel pays? Jusqu'à présent, on ne connaît rien encore de la source de cet incendie. C'est de la désolation. Si quelque chose se passe comme ça, normalement, nous avons les sapeurs-pompiers à côté de nous. Promptement devait venir et éteindre la lumière, mais ce n'était pas le cas. On est venu nous appeler que bon, il y a de l'incendie. Quand on est venu, à peu près ce que les gens ont dit, ils ont dit que l'incendie était quitté quelque part et ça a pris une dame qui vendait des trucs de gaz. Et le feu a commencé par brûler jusqu'à ce que ça a pris les maisons de barrage, des baraques. Ça a pris jusqu'à ce que ça venait par les maisons. Bon, vraiment, vraiment, c'est touchant. On peut dire ce qui est dans le magasin, ça peut coûter au moins 15 millions comme ça. Lundi matin, commerçants et commerçantes, visages accablés, reçoivent l'autorité en charge du marché et le préfet de la ville de Cotonou venu présenter leur compassion aux sinistrés. Au nom du chef de l'État, je vous ai présenté ma profonde compassion aux sinistrés. Et vous avez compris maintenant que le chef de l'État a bien fait de penser à la délocalisation donc d'Antokwa en ce qui concerne donc et tout ce qui est agroalimentaire. Après la visite, ce qu'on peut retenir, c'est que nous avons fait le constat des dégâts, des préjudices causés par le feu. Et deux, nous avons invité les sinistrés pour le centre de travail demain matin à 10h à la Sojima. Parce qu'ils ont et auront du mal à se remettre, ils implorent le chef de l'État. La cause de l'incendie, toujours non établie, relance le débat non seulement sur la volonté pour le chef de l'État actuel de délocaliser en partie le grand marché de l'Afrique de l'Ouest, mais aussi sur l'urgence de sa mise en œuvre.